les amis, je me mets un peu à l'ombre là. Je viens d'arrêter ma journée. Et puis il est temps donc maintenant concrètement de faire une vidéo finale et terminale liée à cette longue série sur la rénovation de cette fameuse remorque qui j'espère vous aura apporté. C'est vrai qu'on sort complètement du domaine de la navigation. Mais il me semblerait qu'il y a un certain nombre de marins expérimentés qui se fassent un peu peur avec la mécanique. Et j'ai essayé humblement avec toutes ces vidéos de vous montrer que c'est un peu débile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très 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 simples quoi. Et j'ai essayé de faire ces vidéos dans cette idée là de vous dire oui, faites travailler les professionnels, c'est important aussi hein, mais vous, si vous n'avez pas un rond, vous pouvez vous lancer. Je vous ai montré tous les éléments importants dans toutes mes vidéos et je vais finir là en vous montrant qu'on peut encore faire des trucs sans trop se faire peur et s'exciter, qui tiennent la route quoi. Voilà. Donc là je la regarde et je la trouve très belle. Donc elle est finie à 90%. Je vais vous expliquer pourquoi je dis 90%, parce qu'il reste 2-3 bricoles que je ne peux pas faire maintenant et qu'il faudra que je fasse que quand le bateau sera dessus. Voilà, il y a une question de jauge que je suis en train de recalculer. Le bateau va être plus lourd à l'arrière que d'origine. Donc les efforts sur le timon à l'avant ne doivent pas dépasser sur l'attelage de 70 kg, c'est la réglementation. Il faudra que le bateau soit équilibré. Donc vu qu'il sera plus lourd sur l'arrière, il faudra certainement que je l'avance un peu sur ses bords. Et puis surtout, il y a donc cette butée pour commencer cette vidéo finale, final vidéo. Je vais mettre la caméra sur la tête. Voilà, ce que je peux pas faire maintenant, c'est traiter la butée d'étrave. Vous vous souvenez que cette butée, je vais essayer de retrouver une photo à vous mettre dans la vidéo là. Elle venait très très bas, presque en dessous de la ligne de flottaison, et c'était pas du tout rassurant pour moi. Il y a aussi un problème, c'est qu'il n'y a pas de treuil. Alors un bateau qui fait 1500 kg le hisser sans treuil, gros problème. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu avancer sur ce sujet, à cause du fait que je peux pas positionner le bateau. Je sais pas encore quelle jauge il va avoir réelle et quelle influence je vais avoir à faire sur la. Enfin vous avez compris, avancer, reculer le bateau pour qu'il soit équilibré sur ses roues. J'arrive pas à parler. Bref. Donc du coup par contre ce qui se passe c'est que ça c'est amovible. Voilà. Hop. Ça c'est réglable. Ça c'est réglable, je vous l'avais montré. Donc ce que j'ai pas encore pu faire c'est cette partie là. La partie où j'ai acheté de l'acier 4 mm en fait. Donc plus épais que ça. Mais c'est pas du galva. Parce que de toute façon je vais tout ressouder. Je vais être obligé de tout ressouder. Donc ressouder du galva ça sert à rien. Il faut regalvaniser aux endroits où on a filé. Ça coûte deux fois plus cher, donc j'ai acheté ça. Après j'en ai une autre de rab pour faire des renforts, des renvois un peu tout comme on veut. L'idée c'est donc de fabriquer ça plus tard quand le bateau sera dessus et équilibré. Je pourrais enfin régler ma butée d'étrave que j'ai toute refaite, vous avez vu. Donc avec deux tampons neufs aussi ici. Donc c'est simplement un des grands patins qu'il y a sous le saumon, je vais vous montrer après. J'ai coupé en deux, mais ça va nickel. Voilà, donc là je vais fabriquer un système, je vais trouver l'angle quand il sera dessus, paf, et je vais venir souder et fabriquer des renforts, des triangulations, enfin j'ai une deuxième barre pour faire ça. J'ai acheté un treuil, donc j'ai déjà débattu de cette histoire de treuil dans les vidéos où je comprends pas pourquoi on nous demande de une fois et demi le poids. Enfin dans le doute j'ai arrêté de me poser la question. Un jour je suis tombé sur une promo, c'est tellement pas cher le truc que j'ai acheté direct. C'était une fin de série, au fond une fin de stock. Voilà, j'ai un peu compris pourquoi après, mais en capacité là il fait 3 tonnes 175. Je sais pas si vous voyez. C'est x2 par rapport aux besoins. Et en plus j'ai retrouvé dans mon garage, dans mon bordel, j'ai une poulie de mouvetage.
Donc je peux doubler la capacité, la puissance du treuil si je veux. Je peux monter à 6 tonnes. Enfin bon, voilà, c'est un truc de fou. Donc c'est pareil, je suis allé chez le ferrailleur du coin. J'ai découpé sur place. Enfin voilà. Toutes ces pièces là, j'en ai pour 4 euros là. Les tiges là, tout ça, oui, à peu près. Parce que j'ai mes combines, donc j'ai fabriqué cette platine pour fixer dessous. Donc évidemment, elle viendra à la hauteur, je sais pas encore où est la hauteur exacte qu'il faudra, mais ça viendra souder ici. Et le treuil sera à la hauteur qu'il faudra pour tout ça. Donc cette partie-là, je peux pas vous la montrer pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc ça va rester quelques mois, le temps de rénover le bateau complètement. Ça va rester quelques mois comme ça. Bon, je vous montrerai un peu dans les futures vidéos comment je fais. Et puis le dernier truc que j'ai pas fait et que je vais pas faire maintenant parce que je l'ai pas reçu, c'est la roue de secours. Donc j'ai retrouvé une jante avec un trax 140 et trou central 85. Et parmi les 4 pneus pourris que j'avais d'avant, il y en a un qui est quand même pas trop mal, donc je vais remonter dessus. Donc je vais installer, je sais pas où, je vais fabriquer un système amovible facile, quoi, enfin un truc, une fixation de roue de secours, que je fais pas maintenant non plus parce que j'ai pas ma roue de secours. Voilà. Mais je pense qu'il est quand même temps d'arrêter cette série de vidéos techniques liées à la remorque, parce qu'on est quand même hors sujet par rapport à la rénovation du bateau. Je vais quand même vous montrer la fin de réalisation. Donc je pense que bon, vous voyez sur la vidéo l'état général. Vous avez vu en détail tout ce qui était peinture, pneumatique, freinage. Je vous ai montré tout ce qui est réglage de freinage, la reprise des tambours. Je vous ai montré tout ce qui était changement de patin. Donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Je reprécise quand même quelque chose qui me tient à cœur. C'est qu'enfin, j'ai reposé la remorque par terre, les roues touchent. Donc j'ai serré enfin les roues. Je rappelle, je l'ai déjà dit, je rappelle que quand on peint des roues, il faut au bout de 20 km les resserrer. Donc en fait, il faut les desserrer, les resserrer, parce que la peinture s'écaille. Pareil à 50 km et autour de 100 km. Voilà, il faut le faire 3 fois. Parce que sinon, on risque de voir une des roues dépasser sa bagnole, quoi. Ça risque de se barrer. C'est dangereux de repeindre des jantes de tôle. Donc je vous le dis, je vous en fais part, je vous le redis, quoi. Autrement, effectivement, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'éclairage, dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le seul truc dont je ne vous ai pas parlé. Donc là, on est sur un véhicule long, hein, sur un bateau qui fait 7,5 m, plus un mât au-dessus qui fait plus de 8 mètres, avec une bagnole devant. On a de grandes chances de dépasser les 12 mètres dans tous les cas. Donc selon la réglementation, logiquement, il faut un éclairage, comme sur mon camping-car, il faut un éclairage nocturne latéral, chose qu'il n'y avait pas. Voilà, il n'y avait pas. Et donc j'ai refabriqué un système à LED totalement étanche avec de la gaine thermo. C'est totalement étanche, y compris les prises qui sont étanches. Donc c'est un gros boulot que j'ai fait de soudure, de bidouille. C'est peut-être un peu chiant de vous le montrer. Bon, allez, je vais vous le montrer quand même. Allez, je vous le montre quand même. Allez. Quand même, donc je viens d'assembler ces fameuses prises étanches. J'ai pas encore mis la gaine thermo qui vient jusqu'ici pour repérer mes fils de couleur. J'ai mis le plus en haut.
Voilà, on croise les doigts pour que ça rentre. C'est pas gagné. Le deuxième qui viendra juste après. Victoire. Regardez si ça fait propre. Alors, puis l'étanchéité est assurée. Bon, le dernier petit bout qui reste. Bon, je vous avais pas montré les prises mâles. Je vais vous montrer les prises femelles. Comme ça, vous aurez une idée de comment ça se monte. Sur ces prises, c'est qu'il faut prendre en sandwich la première collerette ici là. L'étanchéité. Voilà. Donc c'est là où faut pas que je me plante, c'est pour ça que j'ai pas encore remis la gaine thermo. On est bien d'accord que ça se monte dans ce sens là et que le plus c'est bleu. Donc je monte celle là en premier. L'autre fou d'à côté qui paraît assez cher. Donc ça semble tenir. Est-ce que ça s'emboîte? Oui. Est-ce que ça s'emboîte? Oui. Remote. Sont mes vidéos hein.
Et voilà. Donc maintenant je peux finir ma gaine thermo. Donc voilà pour mon faisceau amovible. Il reste le faisceau fixe. Et je vous explique tout ça après. Donc, comme vous venez de le comprendre, l'idée principale était que tout soit démontable facilement pour hiverner la remorque et puis pour la mise à l'eau, qu'il n'y ait aucun élément électrique qui puisse se détériorer parce que c'est parce qu'il est toujours installé été comme hiver. Donc déjà l'idée c'était de refabriquer ça, donc là ça sert, ça bouge plus. Voilà, donc ça c'est quand on immerge la remorque, évidemment on enlève. Et puis donc ce fameux faisceau que vous avez vu en fabrication, que j'hésitais parce que ça prend du temps, ça peut peut-être vous faire suer, je sais pas. Enfin bon, l'idée, voilà, c'est qu'il soit movible, que je puisse l'enlever l'hiver et le remettre facilement. Et pareil, quand j'immerge la remorque et que je mets à l'eau le bateau, je l'enlève et je remets. Donc je commence par brancher les lumières latérales nocturnes. Ensuite, aucune fixation, que du tortillon. Voilà, donc jusqu'au timon. Hein. Voilà. Après, donc je sais pas si vous trouvez ça long à faire. Je pense que quand on le fait deux fois par an, c'est pas la mort d'un cheval, quoi. Hein, c'est vrai que c'est pas un système qui est fixe et permanent, mais c'est tellement rapide à faire et au niveau sécure et puis surtout entretien, quoi. On sait très bien que les faisceaux électriques des remorques, c'est le point faible, quoi. Il y a toujours un problème lié au connectique, quoi. Donc là, bon, évidemment, je peux l'entortiller plus. Là, je me dépêche pour vous faire la démonstration. Au même titre que là, je l'entortille. Et puis, ça débouche sur le timon. Mais là, je l'ai pas fait parce qu'évidemment, le but, c'est de vous faire la démonstration que ça fonctionne quand même. J'ai mis ma voiture ici. Je branche la prise. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je mets juste les veilleuses et puis les warnings. Voilà. Bon, éclairage latéral. Éclairage arrière, warning. Éclairage latéral, catadiopte arrière, réglementaire, on voit jamais sur les remorques alors que c'est sur le code de la route pourtant. Et en plus, il y a un sens. Hein. Il y a un sens. Jamais horizontal, toujours vertical. Enfin voilà. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc l'avantage, c'est quand j'arrive à la mise à l'eau, c'est de démonter rapidement ce faisceau, le désentortiller. Quand le bateau est hiverné, pareil, plutôt que de laisser le faisceau tout doux l'hiver à prendre les intempéries, on fait ça, on démonte, et puis terminé, quoi. Voilà. Voilà. Et puis en plus, vu que je suis toujours un peu dans l'exagération, je me suis dit peut-être qu'un jour je pourrais être dans une urgence quelconque, je sais pas, où je devrais immerger ce fameux faisceau que j'accroche à la caméra. Et donc j'ai rempli les prises, vous savez, ces fameuses prises où il y a des vis à l'intérieur. C'est qu'il y a toujours un problème de connectique à l'intérieur de ces prises là.
Bah, je les ai noyés. Je les ai noyés dans le silicone. Voilà. Comme ça, même en cas d'urgence, si j'ai pas le temps, si j'ai un problème, et ben. Alors c'est sûr que si j'ai un souci, il faut que je coupe les fils et puis je change de prise. Mais je vois pas pourquoi j'aurais un souci. Parce qu'il y a des riselants à l'intérieur qui empêchent l'arrachement. Enfin, c'est blindé. Hein. Les prises étanches, je vois pas ce qui peut y arriver. Voilà, donc. Je vous ai pas parlé des travaux finaux liés au demi-essieu. Donc vous vous souvenez qu'il y avait une vidéo dédiée qui était bien galère. Ce que je peux vous dire, c'est que donc celui-ci, ben, vous avez vécu les travaux avec ma vidéo. Les trois autres, j'envisageais de les refaire l'année prochaine. Mais c'est monstrueux comme travail. Donc je me demande si au regard de l'état pour lequel j'ai vu, parce que j'ai quand même regardé, les autres sont quand même en pas si mauvais état. J'ai pu les purger, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux graisseurs dessous, et j'ai, attention, hein, on ne se rend pas compte, mais ça fait 400 grammes, donc une pompe à graisse, j'ai balancé dans les demi-essieux 8 cartouches de 400 grammes. Donc 8 cartouches de 400 grammes dans les essieux, je les ai saturées. Je les ai saturés complètement, au point que non seulement ça graisse évidemment, ça chasse l'air évidemment, mais s'il y a de la flotte et de l'eau, ça la chasse aussi, sous la pression, parce que l'eau est beaucoup moins dense que la graisse. Donc même si elle est en contrebas ou en haut, je sais pas quoi, il y a toujours un moment où il y a des interstices, on voit les jambes pas trop étanches, ou les terminaisons de barres de torsion, il y a toujours un moment où on expulse l'eau. Et d'ailleurs, on voit, par exemple là, je l'ai fait ce matin, avec la pression, là ça s'est arrêté, mais ça s'est arrêté il y a une demi-heure seulement. Donc j'ai vraiment expulsé tout. Donc j'arrive au stade où je me demande réellement si je vais redémonter, c'est un tel boulot. Après tout, elle a roulé avec un demi-essieu cassier. Je me dis que si ça devait arriver, elle roulerait quand même. Et puis honnêtement, j'ai quand même vraiment bien fait les choses. C'est surgraissé. Ça peut que reprendre sa place maintenant. Il n'y avait plus un gramme de graisse. Quand on voit que j'ai balancé 8 tubes là-dedans, plus pratiquement la totalité, pratiquement 1 kg de graisse dans les roulements aussi, là. Toujours au lithium. Bon, bref. Comment dire ? On va dire que globalement, je suis plus trop inquiet. J'ai fait un boulot de fou, ça fait 2 mois que je l'ai enlevé. Ça fait 2 mois que je l'ai enlevé du bateau. Alors on est au mois d'août, donc pour ceux qui m'ont regardé et qui sont pas en France, le mois d'août, il y a les vacances. Donc je suis parti plein de fois, j'ai dû m'absenter en tout au moins 3 semaines, donc évidemment. Mais c'est tout un temps où j'ai pas pu bosser sur le bateau, évidemment. Hein, évidemment. J'ai profité qu'il soit complètement vide, léger, pour enlever la remorque. Et le but, c'était de refaire cette remorque le plus vite possible, mais le mieux possible, comme vous avez vu. Et puis de faire le carénage, voilà. Et puis de remettre vite la remorque dessous, pour pouvoir continuer. Mais j'espère en fait que pour les marins que vous êtes sans doute, ces vidéos sur la mécanique, sur la remorque vous auront intéressé. Je sais que pour certains marins, ils sont dans leur domaine de navigation, ils maîtrisent à mort, mais tout ce qui est mécanique, ils se font peur comme c'est pas permis. Bon bah voilà, j'espère que j'ai un peu démocratisé le truc, j'espère que je vous ai un peu désinhibé. Si vous ne sentez pas, faites tout faire par un professionnel. Mais ça reste de la mécanique super simple. On voit qu'on peut bien en baver. Hein. Le timon, je vous cache pas, ça a été quand même un grand moment de solitude de réussir à le débloquer et puis de le refaire coulisser avec son vérin automatique, etc. Donc tout le reste me paraît bien simple et bien accessoire. Et c'est du temps, par contre. C'est du temps où j'ai pas bossé sur le bateau. Bon, j'en finis pas là à te parler, parce que je la regarde, là, je la trouve belle. Je la trouve pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Je la trouve pas mal. Là, à l'instant T, sur le marché, si je devais la vendre, elle vaut plus cher que le bateau.
toute refaite, il est toute neuve. Voilà. Rien que le prix du treuil, je vais même pas vous en parler. Un treuil à 3 tonnes, regardez sur internet, vous allez comprendre. En plus, quand même, j'étais un peu dégoûté parce que fin de série, tout ce qu'on veut, pas cher, mais en fait, je l'ai reçu, il était explosé. Enfin, je sais pas si le vendeur a été honnête, c'est neuf dans un magasin que je vais pas citer du coup. Je sais pas si c'est le transport ou il était bradé parce qu'il était cassé, mais là, c'était. Je sais pas comment expliquer, c'était tout le carter là, il était explosé, donc il y avait 6 ou 7 morceaux que j'ai recollé patiemment avec ma formidable colle dont j'ai déjà parlé plein de fois. Je vais arrêter de leur faire de la pub. Après j'ai poncé, je me suis fait chier, puis à un moment bon stop, hein, j'ai mis un coup de vernis, donc il y a encore un petit trou, mais voilà, ça ne c'est que esthétique. Mais j'étais un peu dégoûté quand même. J'ai changé ma fameuse vis en inox, voilà. Il manque mon petit ressort que j'ai entièrement décapé, mais qui n'est pas encore fini de sécher à l'acide. Donc je l'ai protégé, je vais le galvaniser et puis je vais le remonter. Enfin bon, globalement, elle est complètement finie. Il reste 5% avec l'avant, là, je vous en ai déjà parlé, et puis c'est trop de secours. Bon, allez. J'en ai plein de boue là. Le soleil un peu trop. J'ai trouvé bien joli, je suis bien content. Et maintenant je vais essayer de reprendre le déroulé un peu plus classique des vidéos de bateau. Allez, je vous embrasse.